Évidemment, l'indétrônable, le grand, le culte, le mémorable, considéré comme l'une des meilleures suites même que l'original, Terminator 2, le jugement dernier, avec au casting évidemment le retour d'Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton en Sarah Connor, Edward Furlong que on n'a plus vu depuis des années parce que le pauvre, et bah, malheureusement, étant enfant, bah, le succès lui monte à la tête, ce qui signifie qu'il a plongé dans la drogue et l'alcool. Et oui, ça à l'époque, hein, c'était un grand danger pour les enfants, hein. Comme un certain Macaulay Culkin dans Maman, j'ai raté l'avion, bah, malheureusement, voilà, il fait partie des acteurs qui ont très mal tourné, même si à l'époque il était devenu une sacrée. Voilà, grâce à Cameron en interprétant le charismatique, parce qu'il est vrai que il est très charismatique, Edward Furlong, hein. C'est quand même l'héros du film après Arnold Schwarzenegger, et pourtant il me voile presque la vedette, hein. Comme quoi les gosses sont très importants, comme on le disait chez James Cameron. Alors, Terminator 2, un chef-d'œuvre de la SF, voilà, il a un côté road trip notamment que j'aime beaucoup, ouais, parce que moi j'adore les road trips. Voilà, par exemple, on parlait de Ridley Scott avec Alien, mais Ridley Scott il a aussi fait Thelma et Louise, hein. Et j'aime beaucoup Thelma et Louise pour son côté justement road trip, et vraiment ce côté road trip, voilà. Avec le T-800, John Connor et Linda Hamilton, il est vraiment hyper cool, voilà, jusqu'à ce climax dantesque, voilà, dans la fonderie, voilà, ce début, voilà, où on va découvrir un John Connor un petit peu délinquant, un peu voyou, un peu, voilà, une sorte de Playboy très charismatique, donc qui doit être secouru par le T-800. Voilà, cette scène notamment sur l'autoroute avec la fameuse moto. Voilà la scène où ils seront poursuivis par Robert Patrick, si je me souviens bien du nom de l'acteur. Ouais, c'est un acteur hyper charismatique. Voilà, il y a vraiment des scènes, la scène de l'autoroute, la scène où ils sont à moto, vraiment. Toutes ces scènes-là, c'est des scènes d'action mémorables et indéfinitivement cultes. Le talent de Linda Hamilton, évidemment, Linda Hamilton, bah pareil, on l'a plus beaucoup vu parce que le rôle de Sarah Connor lui a beaucoup collé à la peau. Mais bon, elle a joué, ça ne l'a pas empêché de revenir pour jouer dans le tout pourri Terminator Dark Fate. Là, je sais pas ce qu'il vient faire là, ce film que pourtant Cameron a produit et qui a vu également l'entour de Schwarzenegger. Bon, on casse Terminator Dark Fate maintenant, comme ça ce sera fait. Voilà, parce que ce film, j'ai. Je veux plus jamais en entendre parler. Je sais même pas comment j'ai pu dire que ce film était divertissement tellement il est pourri. Je pense que tu es d'accord avec moi, hein. Donc voilà. Donc le jugement dernier, écoute, hein, je pense qu'on y a c'est pas celui sur lequel on va le plus s'attarder parce que dans ce film-là, il y a tout le cinéma de Cameron, de l'action, de la SF, de l'horrifique, une héroïne forte, un enfant, une direction artistique incroyable, une photographie incroyable, des scènes d'action génialissimes. Tout est génial dans ce film. Voilà. Moi, j'ai aucun défaut qui en ressort. Je sais pas pour toi. Bah écoute, oui, là, carrément, on est dans le bébé de Cameron, voilà, c'est le cœur même de sa carrière. Donc là, il a un budget de 100 millions de dollars qui n'était jamais vu à l'époque dans le cinéma américain. C'était le film le plus cher du cinéma. Donc là, on a effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, on retrouve tout ce qui fait la carrière tout le cinéma de Cameron, voilà. On retrouve, comme tu disais, on retrouve la relation père-fils, parce que ce qu'il y avait, en fait, on retrouve ce qu'il y avait un peu dans Aliens 2 avec Ellen Ripley qui mute. Là, on le retrouve de nouveau avec le Terminator et John Connor. Donc, on a des scènes dantesques. Moi, j'étais bon au cinéma à l'époque. Hallucinant, j'ai jamais vu des files d'attente pareilles dans les cinémas. C'était. Parce que là, maintenant, dans les années 2000, maintenant, on parle beaucoup des films de grosses productions. Voilà, comme la Snyder Cut, là, il y a des gens qui l'ont vu sur Internet, mais à l'époque de Terminator, c'était autre chose. Là, les gens se déplaçaient pour aller voir les films, parce que, bien sûr, Internet existait, mais bon, la trois quarts des foyers ne l'avaient pas. Et là, c'était des files d'attente. Je me rappelle, on avait des bandes annonces avant qui étaient balancées à la télévision. On était hypés, mais voilà, j'avais vu la bande annonce, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il nous a fait, là? Et effectivement, quand je suis allé le voir, mais pendant 2 heures, on prenait plein la poire, t'avais des effets spéciaux que tu n'avais jamais vus. Il rentre un personnage, le T-1000, qui est un Terminator ultra puissant, super bien joué par Robert Patrick, qui était complètement inconnu à l'époque, mais qui avait ce faciès, comme ça. Et à la fois, il est beau, mais à la fois, il est terrifiant, il a pas d'expression humaine. Donc, il incorpore ce Terminator, là, ce T-1000, là, qui est. On a l'impression que personne n'arrêtera parce qu'il est tellement il est puissant. Donc comme tu dis, on a ces scènes de moto, on a cette fameuse scène dans l'usine à la fin qui est mémorable.
Mais là, franchement, Cameron explose tout. Voilà, à ce moment-là, c'est le roi d'Hollywood. Personne ne lui arrive à la cheville en termes de film de science-fiction, mais surtout d'action, quoi. Oui, là, c'est vraiment un monument. Voilà, c'est pratiquement le film parfait. Parfait, moi, pour mon avis, c'est pareil. C'est dur de trouver des défauts à Terminator. Moi, franchement, j'y réfléchis là, j'arrive même pas à les couper des défauts. Tellement c'est un monument, quoi. Moi, je n'ai encore rencontré personne qui dit que Terminator, c'est naze. Voilà, donc, ouais, oui, bien sûr, c'est un film, c'est un monument du cinéma américain. Alors, tu parlais d'une chose très importante, la relation presque père-fils qu'il y a entre John Connor et le T-800. Alors, parce que dans le film, donc, bah, voilà, il a cette relation et père-fils et mère-fils, du coup, parce que là, on a carrément cette figure parentale, puisque même si John Connor, voilà, il vit chez une famille d'accueil, voilà, c'est presque un film avec un père-fille, mère-fils, voilà, donc on a vraiment ce côté parental qui est hyper important, voilà, bon, c'est un Connor qui est plus une mère ultra badass à la Ellen Ripley, encore une fois, ce rôle un peu d'héroïne, voilà, qui a un peu dérangé, qui a un hôpital psychiatrique à cause des événements du premier Terminator, voilà, ce côté hôpital psychiatrique, encore une fois, ce côté très sombre, parce que même si Terminator 2, il a quand même des scènes assez lumineuses, voilà, avec tout ce côté roterie, voilà, il y a des scènes avec des sels bleus, tout ça, c'est un film où il y a de la lumière, où il y a du sel bleu, mais c'est quand même un film où ça pète énormément, voilà, il y a du sang, c'est trace, et bon, c'est pas crâne, il n'y a pas beaucoup de sang, puisque bon, c'est des robots, donc voilà. Mais on va voir cette relation entre John Connor et le T-800 qui va être en plus limite comique, tu vois, parce qu'il y a même des scènes où tu as John Connor qui va lui apprendre à dire ah, non, pas peut-être ces scènes où il va lui dire non, on dit pas affirmatif ou négatif, on dit ouais, c'est comme ça, tu sais, il y a un petit ton comique où il va lui apprendre quelques running gags très intéressants, et notamment une très célèbre réplique du cinéma, Hasta la vista, baby, tu vois, c'est une réplique quand même qui est dans le cinéma quand même, et ça, Cameron, tu vois, juste quelques instants comme ça, dans 2-3 scènes même, il y a une scène où on les voit se faire un check, enfin, c'est amusant, tu vois, il y a ce côté père-fils, il y a un peu ce côté comique, et je sais que, bon, on le verra du coup dans son film suivant, True Lies, mais le côté comique, il y en a pas beaucoup, hein, dans la chaîne de Cameron, il y a pas beaucoup de moments drôles où ça rigole, c'est plutôt des films sombres avec la mort, la guerre et tout ça, et Terminator 2, justement, dans un des chaînes d'instruction, et ben lui, il y a ce petit comique qui avait pas du tout dans le Terminator, parce que le Terminator c'est absolument pas un film drôle, ou alors on ne rigole jamais, et dans Terminator 2 il y a des moments drôles, tu vois, il y a cette thématique paternité, il y a des petits moments drôles dans un film vraiment de guerre, voilà, avec notamment cette fameuse scène donc de la vision, donc du jugement dernier, voilà, de l'explosion nucléaire qui va être justement incroyable, voilà, où après Sarah Connor elle va fuir et tout ça, donc ça c'est une scène incroyable, mais voilà, pour moi Terminator 2, bah, je pense qu'on va déjà passer à son prochain film parce qu'il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Chef-d'œuvre de la science-fiction, acting parfaite, toute thématique qu'on retrouve chez Cameron, on la retrouve ici avec quelques petits ingrédients, quelques petits ressorts par-ci par-là, en option, bien sûr, c'est très discret, mais ça passe parfaitement. Donc le film, je l'ai vu plusieurs fois, un régal. Bon, après, les suites Terminator, il y a eu Terminator 3, le soulèvement des machines, il y a eu Terminator 4, la Renaissance, il y a eu Terminator 5, Genesis, et puis Terminator 6, enfin Terminator 6, mais 3, en fait, Dark Fate. Donc bon, voilà, de toute façon, pour moi, il n'y a que les deux Terminator qui existent, et peut-être le 3 et le 4, mais bon, je les ai pas vus. Enfin bref, donc j'étais d'accord, on va tout de suite passer à son prochain film sorti en 1994, voilà, sauf si t'avais quelque chose d'autre à dire. Non, non, écoute, t'as tout bien résumé, ouais, effectivement, moi je parlais, moi, pour moi, je te dis, c'est vraiment son chef-d'œuvre absolu, c'est Terminator 2, parce que je te dis, il y a tout le cinéma de Cameron dans un film. En plus, comme tu l'as très très bien dit, il arrive à influer un petit peu de comique dedans. John Connor, joué par Edward Cullen, est vraiment très très bon, le gamin, il est excellent, voilà, il est en face de lui, il a une chance de guerre, donc. Pour un gamin de 12 ans, se retrouver devant un colosse comme Schwarzenegger, ça peut pas être évident. Et franchement, il s'en tire super bien. Les scènes comiques marchent très très bien. Voilà, donc comme tu dis, on a la fameuse scène Hasta la vista, baby. Donc ça marche vraiment très très bien. Donc on a des punchlines qui sont vraiment bien placées au bon moment. Donc voilà, c'est pratiquement le film parfait. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est son summum. Voilà. Et donc on va passer tout de suite à son film peut-être le plus tout public, le plus accessible. On va passer à un film sorti en 1994, j'ai nommé
Ties, réalisé en 1994. Donc, on va le rappeler, donc, qui est le remake donc, de La Totale, donc de Claude Didi, que Claude Didi donc, a vendu pour 1 dollar symbolique à James Cameron. 1 dollar symbolique, mais bon, évidemment, Claude Didi a quand même ramassé quelques grosses sommes du film, on va pas se mentir, il s'est fait quand même du dos sur James Cameron à ce moment-là. Et donc, pour la petite histoire, on va rester un peu content. Donc, True Lies, voilà, il avait été traduit en audio anglais par une connaissance de Claude Didi. La cassette et la VHS est arrivée donc entre les mains d'un certain Schwarzenegger, voilà, d'un certain Schwarzenegger. Et vu que Schwarzenegger connaissait bien Cameron, il s'est dit tiens, voilà une bonne idée de remake. Voilà, vu qu'il venait, vu que Cameron venait de voir tomber à l'eau son projet de Superman. Oui, parce que pour ceux qui ne savaient pas, Cameron devait réaliser un Superman. Voilà, donc les Superman qu'on finalement qui ont finalement été réalisés par Richard Donner avec Christopher Reeves, puis rebooté par Snyder bien des années plus tard avec Henry Cavill, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, True Lies avec Schwarzenegger et Jamie Lee Curtis. Alors, bah écoute, là, moi, True Lies, et après on vient à ton avis qui est plutôt intéressant et surprenant, je dois dire, parce que moi, True Lies, c'est, je pense, un de mes films préférés de Cameron. Je me rattrape, hein. Pas un de mes films préférés, mais un film vraiment qui passe tranquille, voilà, cette histoire un peu donc d'homme, donc Harry Tusker, donc qui est joué par Cameron. Voilà, c'est le seul film de Cameron du coup c'est le seul film de Cameron où il y a pas de monstre, où il y a pas de guerre. Bon, il y a quand même ce côté un peu explosif, ce côté très divertissement, mais c'est le seul film de James Cameron le plus drôle, le plus tout public, le plus accessible. Et pourtant, on retrouve quand même des choses très importantes, à savoir le côté couple, voilà, avec cette héroïne forte, très drôle d'ailleurs, cette fois une héroïne comique et très drôle d'ailleurs, qui est jouée par Jamie Lee Curtis. Voilà, que cette femme un peu Ellen Tusker, donc qui est une femme au foyer qui se retrouve du jour au lendemain à devoir faire une mission, voilà, parce qu'elle va un peu à l'aventure, et voilà, son mari qui en fait se fait, qui est un agent secret et qui se passait aux yeux de sa famille pour un simple représentant informatique. Voilà, c'est très drôle. Voilà, le plus à la base déjà de True Lies, il est déjà comique, voilà, parce que déjà, vu que c'est le remake d'un film comique, vu que Claude Didier est un réalisateur comique, voilà, bon, donc tout ça se rejoint un petit peu. Donc True Lies, c'est peut-être le film le plus comique de Cameron. Voilà, c'est vraiment un film très drôle. Je pense notamment à la scène où il sensualise, tu vois, la fameuse scène où il sensualise Jamie Lee Curtis. Cette scène est excellente. Enfin, je l'ai envoyé à la chance, j'étais complètement éclaté de rire, parce que la scène de la danse, elle est tellement bidonnante. Enfin, c'est vraiment le film le plus drôle de Cameron. C'est vraiment le film où on rigole le plus. De toute façon, chez Cameron, c'est mais avec de l'action. Voilà, on retrouve cette héroïne forte avec Ned Tusker. On retrouve un peu ce bad guy, un peu ce monstre qu'est Schwarzenegger. Et il y a même une scène où Jamie Lee Curtis, voilà, pour vraiment compléter le tout, va dire ah, j'ai épousé Rambo, tu vois, parce qu'elle se rend compte qui est vraiment son mari. Elle va faire comme ça un petit clin d'œil à Stallone, et elle va dire ah, j'ai épousé Rambo, étant donné que Stallone et Rambo à cette époque là étaient vraiment au mastodonte des films d'action. Donc voilà, True Lies, moi je trouve que c'est vraiment un divertissement de taille. Voilà, je trouve qu'il y a des scènes d'action incroyables. Voilà, je pense notamment à la scène de l'autoroute, c'est où Jamie Lee Curtis, elle est dans la voiture avec une nana, et où Schwarzenegger il se suspend à l'hélicoptère pour sauver sa femme. Et cette scène là elle est surréaliste de toute façon, hein, dans les films de Cameron ils sont toujours un peu surréalistes, j'ai envie de dire. Rien, il n'y a pas vraiment de réalisme, même si bon il essaye vraiment d'être au plus près du réalisme, mais d'un certain côté il y a quand même des scènes où tu te dis ouais, jamais dans la vie le mec qui pourra faire ça, quoi, se suspendre un hélicoptère à je sais pas combien de mètres du sol et sauver sa femme, et comme de par hasard hop, il la sauve juste avant que la voiture elle tombe dans le truc. Donc bon, voilà, mais je trouve l'histoire vraiment très drôle, les deux acteurs ils sont très bons. Je trouve que l'alchimie entre Jamie Lee Curtis hashtag Laurie Strode, bah Laurie Strode encore une fois, une espèce de scream queen, de femmes qui hurlent dans les films d'horreur. Encore une fois, tout se connaît, on le disait, mais voilà, je trouve ce film vraiment très drôle, très appétissant, très divertissant. Pour moi, il n'y a rien à retirer de ce film. Mais toi, ce n'est pas ton avis. Alors, pour moi, c'est True Lies, j'ai découvert au cinéma, et c'est vrai que j'étais un peu déçu, parce que en fait, c'est un Cameron, je pense qu'après le gros tournage de Terminator 2, a voulu faire un film un petit peu léger, voilà, et là en fait, pour moi, True Lies, c'est un body movie, voilà, il y a tous les codes du body movie, et voilà, je le trouve, attention, je trouve pas que True Lies soit un navet, loin de là, hein, c'est un bon film, il y a quand même des bonnes scènes, le duo Jamie Lee Curtis et Jordan Lear marchent du feu de Dieu, sont vraiment très bien, surtout Jamie Lee Curtis, sa maman, et je sais pas pour toi, mais je trouve qu'elle a tendance à voler la vedette
à Schwarzenegger. Donc tout ça marche plutôt bien, mais je sais pas. C'est... Ce film, il glisse complètement sur moi. Je trouve que les méchants sont un peu caricaturales. Ah, voilà, c'est vrai, c'est méchants, vrai. Ouais. C'est les méchants arabes avec le turban, voilà. Les, voilà, bon, c'est un peu. Les scènes d'action, je les trouve un peu. Voilà, quand on voit Schwarzenegger dans sur le cul de l'avion à la fin, c'est un peu tiré par les cheveux. Là, je me dis. Bon, c'est un film léger, voilà, pour moi, c'est un film léger. Cameron, à mon avis, il a voulu se faire plaisir en faisant un film très comique, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes comiques et tout. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à ce film-là, j'ai vu peut-être une ou deux fois. Ça fait très très longtemps que j'ai pas vu. Pas savoir, peut-être en le revisionnant une nouvelle fois, il remontera un petit peu dans mes estimes. Là, c'est vrai que là, Cameron, je pense qu'il a voulu faire un petit film vacances, on va dire ça comme ça. Faire un film un peu léger, etc. Mais ça n'enlève pas que ça soit un très bon film, qui a rencontré son public aussi d'ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'est. Voilà, je pourrais pas dire plus de sur le film. Bon, j'ai bien aimé quand même la scène où elle fait le strip-tease devant Jordan. D'ailleurs, je me suis bien marré devant, parce que quand même, Jamie Curtis, c'est une belle femme, bien sexy. On peut dire que voilà. Voilà. Elle m'a pas laissé de marbre à l'époque, pourtant j'étais bien jeune. Mais c'est vrai que j'ai aimé quelques scènes, mais voilà, pour moi, True Lies, c'est vraiment le film que je mettrais en bas de ma liste, de mon top Cameron. Mais bon, ça n'enlève pas que c'est quand même un film qui est quand même loin, loin, loin d'être le cas de Pierre Ranin 2, hein, très, très loin même. Mais bon, voilà, c'est pour moi, True Lies, ouais, je suis passé un petit pas à côté, quoi. Voilà, bah écoute, tu l'as parfaitement dit, un buddy movie qui a rencontré son public et pourtant bah on retrouve toutes les thématiques récurrentes dans le film de Cameron, hein, voilà une héroïne forte, voilà que bon Cameron il va un petit peu prendre au dérisoire, voilà cette histoire de femme au foyer, voilà qui va transformer en une espèce de femme un peu fatale, voilà avec les cheveux en arrière, voilà en plus Jamie Lee Curtis, elle comme on l'avait vu un peu avec Laurie Strode, avec un poisson nommé Wanda, c'est pas une femme qui joue des rôles voilà dans des films d'action, voilà où c'est vraiment des trucs comiques, et bah là il va prendre ça un peu en dérisoire, et là tu sais la fameuse scène où elle a une mitraillette et puis elle la fait tomber, alors la mitraillette rebondit un peu sur l'escalier et puis elle va dire et tu sais elle a un peu peur de cette arme et de tout ce dont dans la situation dans laquelle elle se trouve, donc il va un peu prendre ça en dérisoire, donc mais on retrouve tout, hein. Il y a aussi le personnage donc de la petite fille, donc Dana, voilà encore une fois les enfants chez Cameron ils sont très importants, et là encore une fois bah il va un peu mettre cette petite fille au cœur de l'action vers la fin. Voilà, mais vraiment, voilà, bon True Lies, voilà, on va passer vite, il n'y a pas grand chose à dire dessus, voilà, c'est un buddy movie très divertissant, on retrouve tout ce qu'on désire chez Cameron, mais juste en plus comique, c'est un film récréatif, où malgré tout, avec un côté comique, où malgré tout, on retrouve tout le cinéma de Cameron, voilà, c'est vraiment True Lies, c'est le film où James Cameron s'est dit, bon, j'ai fait deux gros films, voilà, Abyss et Le Jugement Dernier, donc il s'est dit, maintenant, je vais me reposer un peu, mais je vais quand même faire mon cinéma. Et donc il a fait True Lies. Et c'est ainsi, voilà, parce que bon, on va quand même passer encore au plus aux choses sérieuses. Qu'en 1997, il a fait évidemment le film que tout le monde connaît et a déjà vu un million de fois. J'ai nommé le bien connu. Évidemment, le film culte par excellence, évidemment, mais celui-là, c'est peut-être l'un des films les plus connus au monde, de toute façon, le film le plus tout public de Cameron, peut-être, enfin, le film peut-être le plus connu de tous dans le film de Cameron, après les deux Terminator, parce qu'on peut pas dire quand même que Abyss et Piranha 2 soient vraiment des films archi-connus chez James Cameron, mais Titanic, voilà, évidemment, chef-d'œuvre absolu, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup ce film, je l'ai vu au cinéma d'ailleurs au Grand Rex l'été dernier, et vraiment, c'est hyper impressionnant de voir ce film sur grand écran, je me suis vraiment régalé. Donc Titanic évidemment voilà qui reconstitue, enfin qui nous fait revivre voilà le naufrage d'un des plus célèbres paquebots au monde, voilà ce film a été tourné pour les 100 ans du naufrage du paquebot, il était ressorti en 3D, non il est, il a ouais il était ressorti en 3D en 2012 si je me souviens bien. Mais vraiment Titanic voilà on retrouve voilà bon c'est là c'est pas vraiment un film d'action, voilà c'est un film extrêmement pour le coup c'est le film le moins, enfin je veux dire c'est une mastodonte, évidemment Titanic c'est une mastodonte parce que c'est la reconstitution d'une réalité du Titanic, elle est hyper impressionnante, évidemment c'est époustouflant comme on est dedans, voilà on va retrouver évidemment
des thématiques encore une fois très récurrentes chez James Cameron, mais c'est vrai que là c'est un film assez non identifiable. Bon, c'est pas trop, c'est un drame, une histoire d'amour, pas un film d'action, ça c'est sûr, c'est un film un peu pessimiste, mais c'est quoi pour toi d'ailleurs Titanic? Bah, pour moi, Titanic, déjà, film de tous les temps. Catastrophe. Pour moi, c'est un film catastrophe, Ah oui, catastrophe. aventure, amour. Voilà, donc, parce que c'est quand même sur le naufrage du Titanic, donc une sacrée catastrophe, surtout pour les Anglais à l'époque. Voilà, le Titanic, c'était le fleuron du bateau typique anglais. Voilà, c'était super fier quand il est parti, là, du port. Et donc, ça a été quand même une grosse catastrophe pour les Anglais. Donc, pour moi, c'est quand même un film catastrophe, mais on retrouve tout dans ce film. Alors, déjà, c'est un tournage pharaonique. Alors là, il y a plus de 200 millions de dollars pour le film. C'est hallucinant, quoi. Ouais, mais il Il a n'a jamais largement eu un rencontré son réalisateur. succès. Hein. Hein? Pardon? Il a largement rencontré son succès puisque c'est un des films les plus rentables de tous les temps de toute façon. Ah, Donc. oui, mais là, à ce moment-là, on lui donne un budget pharaonique pour. C'est hallucinant, on n'a jamais vu ça. Le tournage a duré des mois, les décors sont monstrueux, ils ont reconstruit un Titanic Ouais, à la taille c'est ça. réelle. Les décors sont magnifiques, que ce soit les dorures, que ce soit que ce soit l'escalier du Titanic, tout a été refait à l'identique, mais c'est un travail d'orfèvre. Au niveau du casting, voilà, on n'a que des 3 étoiles. On retrouve bien sûr Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Leur duo marche tout de suite. Ah C'est oui, bah de toute façon le... les deux acteurs se trouvent tout de suite. Et pourtant, ils n'étaient pas encore très très connus. Enfin, DiCaprio avait fait Roméo et Juliette, mais bon, c'était un film sympathique, mais sans plus, quoi. C'est un peu Et nul quand même. encore une fois, là, il arrive à créer un duo qui marche tout de suite. Donc, comme tu le disais il y a un instant, voilà, on retrouve tout le cinéma de Cameron. Encore une fois, on le retrouve dans Titanic, donc l'histoire d'amour qui est centrale dans le film. Les scènes d'action, parce qu'il y a quand même des scènes d'action, toutes les scènes sur le bateau, au moment où il se met à couler, voilà, c'est quand même. On a des effets spéciaux de dingue, dernier cri. C'est vraiment un film typiquement cameronesque. Voilà, c'est encore une fois, il tape encore totalement dans le mille. Voilà, c'est tout bon, hallucinant ce film. Tout à fait, bah écoute, je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est un défi. C'est le film le plus apprécié de James Cameron après Terminator 2, je pense. Évidemment, cette histoire centrale est bien connue entre Jack et Rose. Évidemment, d'ailleurs, la première scène entre DiCaprio et Winslet, d'ailleurs, vraiment magnifique. Hein, c'est la scène où, bah, en fait, Jack il dessine Rose. Voilà, elle se met à nu devant lui. En fait, selon les propres aveux de Cameron, c'était un peu pour briser la glace entre les deux. Et ça marche d'ailleurs très bien parce que, à tel point que ce dernier s'est trompé dans sa réplique, et au lieu de dire asseyez-vous sur le canapé, il a dit non, le sofa, ça il se prend dans sa réplique, et ça c'est une anecdote connue, mais bon, il est toujours bon de le rappeler. Donc effectivement, l'alchimie entre les deux, elle marche très bien. On retrouve aussi au casting Bill Zane, donc, qui était un des acolytes de Biff Tannen dans Retour vers le futur 2. Voilà pour la petite anecdote, c'était son premier rôle de c'était le tout premier rôle de sa carrière, réalisé par un certain Robert Zemeckis. Encore une fois, peut-être on en reparlera de celui-là, de Zemeckis, un de ces jours. C'est pas dit, mais ouais, tout à fait, ouais. Mais voilà, Titanic, un de mes films préférés, je sais pas, un des films sans doute qui m'a le plus marqué, parce que c'est vrai que la première heure, elle est très tranquille, encore une fois, Cameron, il développe un peu tous ses personnages, voilà, évidemment, donc Jack, un peu cet artiste, parce que Cameron, en fait, c'est un peu une sorte de James Cameron, un peu à ses débuts, voilà, un artiste un peu fauché, parce que Cameron est un artiste, et d'ailleurs, ce n'est pas DiCaprio qui dessine Rose, mais c'est bien Cameron, voilà, c'est lui qui a dessiné Rose, et parce que... Et d'ailleurs, sur les scènes de gros plan, c'est les mains de Cameron qu'on voit et non pas de DiCaprio, faut le préciser. Mais voilà, donc c'est vrai que Jack, c'est un peu une représentation jeune de ce qu'était Cameron, une sorte d'artiste un peu fauché qui va un peu rencontrer l'amour de sa vie avec Rose. Bon, on ne sait pas trop qui était l'amour de la vie de Cameron, mais bon, voilà, vous m'avez compris, quoi. Et donc après, donc il va rencontrer cette bourgeoise, voilà, sur la peau du Titanic et qui vont passer ensemble les plus belles heures de leur vie, voilà, à travers
sur la proue du bateau du Titanic. Voilà, on a cette fameuse scène avec le je vole, envole-toi. Enfin bref, cette scène où évidemment Rose est étendue comme ça avec ce refrain de Céline Dion. C'est une scène magnifique à jamais gravée dans les mémoires. Évidemment, cette scène, elle a ému la terre entière, évidemment. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Cameron ne voulait pas d'ailleurs de musique dans Titanic, mais après avoir entendu chanter Céline Dion, et ben, elle décidait finalement d'intégrer la chanson de Céline Dion dans son film, et ça marche. Vraiment du feu de Dieu. Voilà, cette scène, tout le monde la connaît. Voilà, c'est la représentation même des histoires d'amour au cinéma. Voilà, dès qu'on parle d'amour, d'histoire d'amour au cinéma, ou même d'histoire d'amour dans un film ou de James Cameron, c'est immédiatement à cette scène-là qu'on pense. Voilà, évidemment, la scène du radeau où Jack meurt a fait énormément parler. Voilà, toutes les théories, Jack aurait-il dû mourir. Voilà, tout le monde théorise encore, mais ça, de toute façon, c'est la magie de Cameron. Voilà, il amène toujours à des petites interrogations, à des petits mystères. Jack aurait dû mourir, Jack aurait-il pu monter sur ce fameux râteau? Voilà, à chaque fois que Moi, le j'y film. crois, moi. J'y crois, moi. Il y avait de la place sur le radeau, À hein, chaque fois cette que le film planche, là. repasse, à chaque fois que le film repasse à la télé, il y a toujours des théories. Oui, mais Jack, il avait de la place pour monter sur le radeau. Oui, mais bon, selon Cameron, Jack devait mourir, c'était comme ça. Et de toute façon, la scène de la mort est très, voilà, assez frustrant. Elle est frustrante, sa mort, j'avoue, parce que le bateau, le bateau pour les sauver les deux, il arrive juste après, donc forcément, c'est frustrant, mais ça marche très bien. Voilà. En plus, aujourd'hui, DiCaprio et Winslet sont les meilleurs amis du monde, et ça, c'est pour ça aussi que le film est populaire, c'est parce que l'amitié des deux acteurs n'a pas failli. D'ailleurs, je vous conseille un excellent film avec les deux acteurs qui s'appelle Les Noces Rebelles, qui est réalisé par Sam Mendes. Voilà, donc on retrouve les acteurs. Bon, cette fois-ci, c'est plus un jeune couple, hein. Au contraire, c'est un couple marié avec des gosses. Donc voilà, cette fois-ci, on les retrouve dans un tout autre cadre de vie. Mais c'est un très beau film, un peu dramatique, assez tragique. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, regardez ce film. Donc Titanic, évidemment, un grand film catastrophe. Voilà, une première heure un peu tranquille. Voilà, il développe ses personnages, la relation de Jack et Rose. Voilà, c'est un peu une histoire d'amour à l'eau de rose au début. Et puis après, voilà, ce fameux naufrage tout simplement incroyable. Il y a des scènes vraiment pharaoniques. Voilà, moi, tu sais, je pense à une scène en particulier, tu sais, où genre Jack il doit sauver un gosse à un moment donné dans le film. Et après, il y a le père qui arrive, tu sais. Et puis après, il y a de l'eau qui ressurgit comme ça d'une porte, tu sais, qui noie un père et son fils. Donc, encore une fois, la thématique de la paternité, tu vois. Il y a encore cette thématique qui revient. C'est anodin pourtant dans le film, parce qu'il n'y a pas du tout. On aperçoit 2-3 gosses sur le Titanic, notamment cette petite fille, voilà, qu'on connaît bien pour apercevoir fortement son visage au début et vers la fin du film. Voilà, quand la scène où Jack et Rose y dansent, voilà, tu sais, en troisième classe, cette scène elle est géniale, d'ailleurs, la scène de la danse. Mais il y a cette scène, voilà, qui m'a frappé, où donc il y a l'eau qui est derrière eux, et puis il y a Cameron qui allait filmer dans un petit couloir. Voilà, donc on voit Jack et Rose courir, c'est une scène magistrale. Voilà, il y a de l'eau derrière eux et l'eau les poursuit carrément, et là il y a la caméra qui s'avance comme ça, et là ils sont en train de courir, et là c'est dantesque. Voilà, cette scène là elle est juste dantesque, enfin il fait tout péter, même la scène où Kate Winslet, voilà, elle remue celle des terres pour aller sauver Jack. Voilà, elle se plonge dans l'eau, mais l'eau elle est glaciale et tout ça, c'est c'est dingue. En plus, ça envoie, c'est un film en plus qui a des symboles, puisque, enfin, je veux dire, c'est une scène où Jack y meurt, alors que de base, comment Jack et Rose se sont rencontrés? Bah, c'est Rose qui voulait se suicider. Enfin, il y a toute cette thématique avec la mort, avec la proue du Titanic. Enfin, en plus, il y a plein de symboles. C'est un film symbolique avec plein de thématiques hyper intéressantes. Donc voilà, Titanic, évidemment, culte indétrônable, un film catastrophe avec des effets spéciaux de malade. Bon, l'histoire, beaucoup la trouvent ridicule. Voilà, l'histoire entre Jack et Rose, beaucoup la trouvent ridicule. Mais au contraire, je trouve elle est remplie de symboles, elle est remplie d'espoir. Bon, c'est une histoire tragique puisqu'elle finit mal, mais voilà, quand on observe vraiment Titanic, bon, moi je l'ai vu au moins une cinquantaine de fois ce film avec ma mère qui pleure à chaque fois, mais bon, ça, voilà, bon, c'est obligé. Mais bon, voilà, quand on regarde bien Titanic, quand on regarde bien, quand on le décrypte bien, il y a plein de symboles, il y a plein de thématiques dissimulées partout. Bon, c'est un film drôle à première heure, mais phénoménal, effets spéciaux complètement dingue, donc voilà. Après, le tournage fut quand même assez compliqué pour Kate Winslet, donc qui était tombée malade pendant le tournage, mais bon, la constitution du Titanic était tellement incroyable. Voilà, la grande salle, mais c'est incroyable. Et donc, ce qui m'amène du coup à vous parler donc d'un documentaire
Voilà, on va rester, on va pas, cette fois-ci, on va pas couper, mais d'un documentaire donc sorti en 2003, donc Cameron, après, il s'est reposé un peu, puisque bon, Titanic, quand même, c'était un tournage phénoménal. Donc, un documentaire qui s'appelle Les Fantômes du Titanic. Alors, c'est un documentaire très intéressant, voilà, puisque donc c'est pas une suite au film Titanic, mais disons qu'il poursuit un peu son travail sur le naufrage, sur l'épave du Titanic, donc sur les fonds sous-marins, parce que voilà, on aperçoit brièvement l'épave du Titanic au tout début, donc dans la première séquence sous-marine du Titanic, voilà, justement avec la séquence avec Bill Paxton, encore une fois un acteur récurrent chez Cameron, justement, donc qui le fait revenir ici dans la peau d'un scientifique, voilà, qui recherche le fameux diamant, le diamant de l'océan, enfin un truc comme ça. Pardon? Le cœur de l'océan. Ah oui, le cœur de l'océan, merci, oui, donc un scientifique, voilà, qui recherche le cœur de l'océan à travers donc l'épave du Titanic, voilà, c'est comme ça en fait que l'histoire va commencer, voilà, parce qu'après ils vont revoir la vieille Rose, donc qui va leur raconter toute son histoire, etc. etc. Enfin bon, bref, je vais pas vous refaire le film 1000 fois, puisque tout le monde a vu ce film 1 million de fois. Et donc Les Fantômes du Titanic, donc c'est un documentaire très intéressant où on voit James Cameron lui-même, donc explorer avec d'autres auteurs, et en l'occurrence Bill Paxton, l'épave en fait du Titanic. Et en fait, ça va être une reconstitution vraiment. Enfin, ça va poursuivre en parenthèse l'histoire du Titanic. On va vraiment se rapprocher de cette épave. On va parcourir ses moindres coins. Donc vraiment, c'est un documentaire fascinant. Voilà, on voit Cameron un peu dans son espèce de vaisseau. Voilà, il fait des commentaires. Il nous explique un peu ce qu'il voit, ce qui se passe, ce qu'il fait, comment. On a même la reconstitution même de certains personnages qui ont vraiment existé dans le Titanic. Voilà, de certains passagers, voilà, on a même des prouesses techniques donc qui permettent un peu de reconstituer donc Titanic tel qu'il a vraiment été. Donc voilà, c'est un documentaire que je vous conseille. Est-ce que toi tu avais un commentaire à faire sur ce documentaire? Bah écoute, je l'ai vu une fois, enfin non, je l'ai pas vu une fois, j'ai vu deux, trois fois quand même. Je l'ai même en DVD. Oui, c'était un beau documentaire. On sent vraiment l'amour que Cameron porte déjà pour Titanic parce que il a été fasciné par cette histoire de naufrage. On sent vraiment qu'il a été vraiment, ouais, on peut dire hanté par cette histoire. Oui, effectivement, c'est un très très beau documentaire. On le voit, je me rappelle bien, on le voit descendre avec son submersible, c'est ça? Ouais, On le tout voit à fait. carrément descendre sur l'épave du Titanic. Et franchement, oui, c'est un très très beau documentaire. Film docu, on va dire. Ouais. Et oui, effectivement, là, on ressent vraiment l'amour que Cameron porte pour l'océan. D'ailleurs, je pense qu'il a commencé à ce moment-là à faire des repérages pour son futur grand film qui va sortir quelques années après, Avatar. Donc, Monsieur Cameron est un perfectionniste qui peut mettre des années pour faire un film, la preuve est Avatar numéro 2. Mais oui, là on sent, oui, c'est un film que j'ai vu une paire de fois et c'est vrai que c'est très très beau, les images sont magnifiques, on sent vraiment l'amour qu'il peut porter pour l'océan, c'est clair. Ouais, et donc là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit Cameron. Donc, il est acteur, il est réalisateur, mais il est aussi scientifique. Parce que Cameron, en fait, c'est aussi un scientifique. Il y a même plusieurs coulisses où on le voit carrément étudier un peu l'épave du Titanic. Voilà, là où il y a même un documentaire très intéressant, ça s'appelle Behind the Scene of Titanic, où en gros, on le voit en fait tester un peu donc la façon dont les passagers se sont sauvés donc du Titanic. Et on le voit par exemple essayer de couper une barque, voilà, pour essayer de se sauver. Et vraiment, ça va être des documentaires, voilà, des scène en fait, des coulisses en fait du Titanic. Et en gros, il va tester un peu si les mesures de sécurité, si en fait la crédibilité de son film, ce qu'on voit dans son film. Et en fait, on va le voir le tester lui-même. Et ça, c'est hyper intéressant, c'est hyper passionnant parce qu'en fait, Cameron, quand il fait un film, il y va à fond, quoi. Il s'investit à fond, il fait des recherches, il sera un artiste, un scientifique, un explorateur. Cameron, c'est tout, quoi. Ce mec, il fait tout, il part dans les pays, il interviewe des scientifiques, il interviewe des explorateurs, et il fait appel à des spécialistes en la matière, voilà. Et on sent que Titanic, c'est un film extrêmement étudié, un film recherché, la preuve avec les fantômes du Titanic. Mais même Titanic, voilà, on a cette première séquence sous-marine incroyable, justement, où il va dans son petit submersible, voilà, où il va explorer l'épave un peu du Titanic, voilà. Une séquence hyper enrichissante, hyper passionnante. Voilà, quoi de mieux
pour débuter un film qui s'appelle Titanic que d'explorer les profondeurs sous-marines. Enfin, l'épave du Titanic, c'est vraiment. On pouvait pas mieux commencer un film, quoi. La séquence, en plus, elle est incroyable. Donc voilà, donc Titanic est un film incroyable, donc qui rassemble toutes les thématiques, voilà, ça on l'a déjà dit. Mais Les Fantômes du Titanic, vraiment, c'est un documentaire, en plus, il est pas compliqué à trouver. Voilà, c'est un documentaire passionnant, voilà, avec des images en chair et en os. Voilà, c'est pas, cette fois-ci, c'est pas des photos, machin, c'est vraiment Cameron qui a descendu au fond de l'océan et qui a filmé vraiment l'épave du Titanic, qui fait des commentaires, il est accompagné de spécialistes, donc c'est un documentaire crédible, donc qui poursuit en fait l'histoire du Titanic, mais d'un point de vue documentaire cette fois-ci. Il dure 50 minutes et ça passe vraiment hyper bien. Donc les Fantômes du Titanic, je vous le conseille vraiment parce que c'est passionnant. Voilà, si vous voulez voir Cameron à l'œuvre, ce dans son élément, parce que Cameron est dans son élément, quoi. C'est vraiment, c'est hyper passionnant. Donc voilà, donc pour tous les amateurs de sous-marins, de James Cameron et du film Titanic, les Fantômes du Titanic, donc, est un documentaire fait pour vous. Et donc, on va passer à son dernier film en date, sorti en 2008, le bien connu, le bien célèbre. Évidemment, le grand, le célèbre, le culte, Avatar, évidemment sorti en 2008, dont on attend toujours la suite. D'ailleurs, je sais pas ce que Cameron y fait avec ce film, mais Cameron, d'ailleurs, si tu passes un jour, si tu passes sur cette vidéo, bon, d'abord abonne-toi à ta chaîne, à celle de mon ami Angel Art, tant que tu y es, mais oui, on une petite bagounette, hein, c'est très gentil. Mais voilà, Avatar, bon, film de science-fiction incroyable, visuellement, ça défonce. Voilà, visuellement, au niveau des technologies, voilà, tout ce que Cameron pouvait faire à l'époque avec les technologies de l'époque. Voilà, on est quand même en 2008, c'est pas ultra perfectionné, voilà, contrairement aujourd'hui en 2021 où on peut faire des trucs vraiment phénoménales. Bon, d'ailleurs, sur Avatar 2, je sais pas vraiment pourquoi il prend autant de temps à nous sortir, mais bon, il y a forcément une raison. Voilà, quand on voit des images de tournage, on sait que c'est un film qui va se passer encore une fois sous les océans de Pandora, donc ça va juste être phénoménal. Voilà, on va retrouver ces thématiques des sous-marins, donc des océans. Donc imaginez l'univers d'Avatar avec l'élément de James Cameron. Bon, je pense qu'on va s'en prendre complètement, ça va être en. Je sais même pas comment Cameron va sortir ce film, voilà, comment ce film va impacter l'histoire du cinéma, parce qu'il avait déjà révolutionné le cinéma avec Titanic, puis il s'était battu tout seul avec Avatar, puis après il s'est fait détrôner par Endgame, bon, Endgame, bon, qui s'est refait détrôner par Avatar suite à sa ressortie en Chine. Ça me fait rire parce que, je sais pas, il y a une espèce de battle au box-office entre ces deux films-là, c'est ridicule. Et donc, bah, ça fait des années que Cameron n'a rien fait en tant que réalisateur, parce qu'il a quand même pas fait en tant que producteur, hein, puisqu'il a produit des films comme Alita Battle Angel, qui est un très bon film de science-fiction, qui est un très bon film de SF signé Robert Rodriguez. Voilà, moi je l'ai vu et franchement j'ai trouvé ce film top. Bon, il a aussi produit et validé Terminator Dark Fate, mais bon, encore une fois, ce film je ne veux pas en parler. Et puis, bah, Avatar, voilà, bon, évidemment, on retrouve cette histoire d'amour entre Jack Sully et Neytiri. Jack, Sam Worthington, justement, qui avait joué dans Terminator 3 ou 4, je sais plus, soit c'est le soulèvement des machines, soit c'est Terminator Renaissance. Mais en tout cas, voilà, vous voyez quand même que Sam Worthington, encore une fois, tout est toujours connecté ou se rejoint chez Cameron. Hein, tout à chaque fois, un lien, voilà. Et puis, on retrouve donc Zoe Saldana, donc, qui joue Neytiri, voilà, cette espèce de Navi, voilà, ce plop Navi. Encore une fois, on sent que scientifiquement, c'est un film très abouti. Voilà, c'est un film hyper recherché, voilà, toute cette planète de Pandora, avec cette thématique un peu sur l'écologie, voilà, cette bataille, cette rivalité entre les hommes et les humains, voilà, donc les navis et donc les scientifiques, voilà, donc ces espèces donc d'humains donc qui veulent s'emparer donc d'un espèce de minerai, voilà, pour remédier à la crise économique sur Terre, voilà, et bah ils vont se retrouver confrontés à un problème de taille, voilà, ce peuple très sacré que sont les navis. Et vraiment, Avatar, voilà, visuellement c'est incroyable, voilà, je pense que visuellement j'ai jamais vu de film aussi beau. Ce film je l'ai jamais vu au cinéma, mais ça doit être du caviar pour les yeux, vraiment. On retrouve évidemment la grande histoire d'amour, évidemment, qui est fondamentale chez Cameron, évidemment, cette histoire d'amour qui va être au cœur du film, voilà. Donc, quand Jake va s'infiltrer en fait chez le Navi et qu'il va tomber amoureux de Neytiri, on retrouve au casting, donc Sam Worthington, Zoe Saldana, mais surtout, une grande figure qu'on avait déjà pu voir chez James Cameron dans Alien 2,
Et évidemment, Sigourney Weaver, donc il va jouer Grace Augustine, donc qui sera entre parenthèses là une sorte là une boss. Bon, c'est un personnage un peu secondaire, mais quand même un personnage féminin assez fort. Donc là, si vous voulez, c'est quand même une sorte de voilà quoi. C'est encore une fois chez James Cameron, tout est lié. Voilà, il retrouve ses anciens acteurs, il fait revenir les anciens. Voilà, il collabore régulièrement avec ses copains. Voilà. Bon, et de toute façon, il y a 4 suites, 5 suites de Avatar qui sont prévues et on retrouvera Sigourney Weaver dans le second, ainsi que Stephen Lang dans le rôle de Miles Corridge dans le deuxième. Voilà, il a dit lui-même que même si les deux personnages sont morts, faudra les justifier quand même ces morts, mais bon, dans un univers comme celui d'Avatar, je pense que justifier ces deux morts-là, ça va être du gâteau, hein. Je pense qu'il y aura aucun mal, hein, il y aura peut-être une histoire de science ou de résurrection dans le corps dans l'un des Avatars, donc je pense qu'il va nous faire ça à l'aise-blaise. Donc Avatar, bah moi j'adore, voilà, c'est un film qui dure longtemps, mais est-ce que c'est le chef-d'œuvre de James Cameron? Bah c'est la question que je vais te poser justement. Alors, le chef-d'œuvre de James Cameron, peut-être pas, parce que j'ai quand même plus d'amour pour Terminator 2 ou Abyss par exemple. Mais oui, là effectivement, là Cameron, je pense qu'à un moment il a voulu réaliser Avatar, il a voulu là mettre tout le monde d'accord au niveau des effets spéciaux, c'est vraiment au niveau des effets spéciaux où là. Il explose tout, voilà, j'ai jamais vu des effets spéciaux aussi beaux. Moi j'ai été voir le film au cinéma, les décors, les environnements de Pandora étaient tout bonnement magnifiques, les couleurs, etc. Et il avait, je crois qu'à ce moment-là, il avait utilisé je ne sais plus quelle caméra, enfin bon bref, c'était le topissime au niveau des effets spéciaux. Même encore maintenant, je trouve que Avatar, malgré ses 10 ans, il y a certains films qui n'arrivent pas à la cheville d'Avatar. Pourtant, on a eu énormément de films avec des CGI qui sont sortis ces dernières années, mais je trouve que Avatar est vraiment nettement au-dessus. C'est tout simplement magnifique. Encore une fois, on retrouve tout le cinéma de Cameron, donc une histoire d'amour voilà, on a encore une histoire d'amour, on a encore des grandes scènes d'action, des grandes scènes de bataille, parce que l'histoire d'amour et le film de guerre est très important dans le cinéma de Cameron. Non, c'est vraiment un très très grand film. Moi j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Là il vient de le rééditer il y a quelques années en 3D que j'ai. Donc j'ai un gros coffret qui rassemble toutes les versions du film. Il y a au moins 3 versions du film dans le coffret, plus la version. Non, je n'ai pas la version 3D. Non, j'ai la version avec les 3 versions. J'ai le coffret avec les 3 versions du film. Mais non, c'est un très très grand film. C'est vraiment là en termes d'effets spéciaux. C'est le film qu'il faut voir avant. Quand tu es un jeune réalisateur et tu veux faire un film de science-fiction pour voir Avatar, c'est obligé quoi. Faut voir le film du grand James Cameron, parce que c'est vrai que là, il met une sacrée claque. Ouais. C'est vraiment un très grand film. Ouais. Alors, j'aimerais quand même te questionner sur 2-3 éléments qu'on a reproché à Avatar, parce que Avatar a beau être un film qui a cartonné et qui continue et qui est d'ailleurs toujours premier au box-office, hein, Avatar a été qualifié donc de remake, donc d'un dessin animé qui s'appelle Pocahontas. Que penses-tu de cette critique? Ouais. Bah écoute, oui, c'était ce qui traînait un peu au niveau des gens, quand les gens sont allés voir, ils ont dit ouais, bah c'est un remake de Pocahontas. Et oui, effectivement, je pense qu'il s'est inspiré un petit peu de Pocahontas, mais dire qu'Avatar et Pocahontas, c'est un peu, c'est un peu fort de café. Oui, effectivement, on retrouve un petit peu de l'histoire de Pocahontas dedans, mais non, c'était un peu les rageux, les gens qui voulaient un peu casser le film. Voilà, parce que Avatar, c'est pareil que Terminator 2, c'est un peu dur pour lui trouver des défauts, parce que franchement, il est tellement perfectionniste quand il réalise ses films Cameron, que pour lui trouver des défauts, c'est pas évident. Quoi. Je pense que c'était une critique un peu facile de l'époque. Quoi. Mais oui, effectivement, si on veut vraiment chercher la petite bête, oui, il y a des petits côtés pour Pocahontas. Oui, des similitudes, quoi. Oui, il y a des similitudes, mais bon, voilà, c'était la critique un peu facile à l'époque. Ouais. Mais ça traînait. Ouais, bah écoute, hein, c'est vrai que moi je trouve qu'Avatar, bon, c'est vrai que beaucoup en fait font la critique que Avatar visuellement, technologiquement, scientifiquement, tout ça c'est très recherché, c'est très abouti, mais que le scénario il raconte pas finalement grand chose, parce que c'est vrai que Avatar, quand on regarde bien, effectivement,
Sur le côté technique, on n'a rien à leur reprocher. Voilà, même la bataille finale, elle est... Il n'y a pas de mots, quoi. C'est phénoménal. Hein. Moi, j'ai pas eu la chance de voir ce film au cinéma parce que j'étais encore trop jeune. Alors, en 2008, j'avais même pas l'âge d'aller voir des. J'avais pas du tout l'âge d'aller voir ce genre de film là. Mais bon, bah, je pense que même quand Avatar 2 va sortir, je serai déjà père de famille. Mais bon, parce qu'au train où ça sort, voilà, le film, on n'est pas prêt de. Mais c'est vrai qu'Avatar, en fait, on lui reproche un peu la simplicité de son scénario. Parce que même si, en fait, James Cameron, les films paraissent toujours très compliqués, voilà, Terminator, c'est une histoire de robots, de temporalité. Bah, en fait, chez James Cameron, les histoires sont assez simples, voilà. L'histoire d'Avatar, elle est malgré tout simple, voilà, c'est juste. Deux peuples, voilà, qui donc les navis et les scientifiques, donc les scientifiques donc prennent en charge donc un espèce de d'handicapé parce que son frère est mort et qu'ils ont la même ADN et etc etc donc voilà donc du coup ils prennent cette espèce d'ancien Marines, ils le font infiltrer donc chez les navis pour avoir leur confiance et pour avoir des informations et localiser un peu où ils planquent leur ce que les scientifiques recherchent. Mais en fait, le scénario, il est très simple, quoi. C'est juste une histoire d'infiltration et une histoire d'amour. Voilà, quand on résume vraiment au tout, c'est ça, quoi. C'est une histoire d'infiltration, d'histoire d'amour et de guerre, de rivalité. Pareil, hein, dans Titanic, c'est une histoire d'amour sur le fond de naufrage, ça n'a rien de compliqué. True Lies, pareil, c'est juste une histoire d'amour, mais un peu en dérisoire, voilà, sur un homme qui cache la double identité à sa femme, à sa famille. Terminator 2, le jugement dernier, bah voilà, c'est juste un robot qui doit proposer, qui doit protéger un enfant et sa mère d'un autre du camp adverse. Abyss, bah voilà, c'est juste une mission secours qui se transforme en mission suicide dans un film de science-fiction. Alien 2, bah pareil, c'est juste des méchants qui veulent servir des aliens, voilà, à des fins budgétaires, et ils font appel à Ripley, voilà, pour les aider parce qu'elle connaît bien les aliens, et après il va y avoir ce personnage de Newt, etc. Enfin bref, en général, les films de Cameron, c'est pas du tout compliqué. En apparence, voilà, c'est des films costauds avec des gros budgets, avec des scénarios un peu développés, avec des toiles de fond quand même assez profondes, voilà, on a toujours des contextes extrêmement, voilà, c'est recherché, quoi. Cameron, ses toiles de fond, c'est toujours des trucs un peu apocalyptiques, un peu robotiques, un peu futuristes et très scientifiques. Mais voilà, au fond, c'est vrai qu'Avatar, en fait, ça, c'est pas différent de ses autres films. En fait, c'est juste que son scénario, il est simple, mais il est tellement bien construit, développé et recherché, quoi. L'univers, en fait, voilà, c'est ça, l'univers, il est toujours très recherché et très développé. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on reproche à Avatar la simplicité de son scénario. Mais j'ai envie de dire oui, mais en fait oui, mais votre argument il tient pas la route, puisque voilà, les scénarios chez James Cameron, ça a toujours été très simple, voilà, il y a pas besoin de comprendre que c'est pas comme un certain Nolan qui lui par contre fait des scénarios extrêmement compliqués, fait des scénarios où on comprend que dalle, qu'on est obligé de revoir 3-4 fois. Enfin, moi je suis désolé, moi Terminator je l'ai vu à 8 ans, j'avais tout compris dès le départ. Avatar, pareil, il m'a suffi d'un seul visionnage, j'avais déjà tout compris. Titanic, un seul visionnage, deux, même quand, non seulement on comprend les films de Cameron, mais en plus on les comprend et on les aime, et on les aime au fur et à mesure. Tu vois, c'est des films qu'on apprécie encore et encore et encore, tu vois. Aucun film de Cameron n'a le gabarit d'un film de Nolan, et pourtant les films de Nolan sont des films réputés pour être complexes, pour être très intellectuels, pour être corsés, et ça c'est toute la différence. Voilà, on parle de Nolan pour la complexité, pour la recherche de ses scénarios, mais voilà, Cameron il arrive à faire des scénarios quand même très très recherchés, très complets. Mais voilà, pourtant c'est hyper accessible aux yeux du grand public. Et d'ailleurs, le youtubeur Dirty Tommy l'avait même dit dans une de ses vidéos, Cameron, dans sa tête, voilà, Terminator c'est un univers un peu compliqué, et pourtant il arrive à le mettre à la hauteur de spectateur. Voilà, il arrive à rendre tout ça très accessible, il arrive à faire un film extrêmement compréhensible, extrêmement fluide. Voilà, ce sont des scénarios extrêmement fluides avec un univers pourtant développé, et ça, bah, on le doit qu'à James Cameron. Voilà, parce que Alien, quand même, ça peut paraître un peu, voilà, cette histoire de planète, de xénomorphes, de reine alien, voilà, des espèces de scientifiques, voilà, qui veulent tirer profit de ci et de là, voilà, pour de l'argent. Ça peut paraître comme ça très compliqué, mais en fait il n'y a rien de compliqué. Voilà, on comprend tout ce qu'il comprend, et ça, bah, parce qu'il arrive en fait à ce que scénario, et il est aidé en plus de ce scénario, il participe pour vraiment imposer sa vision, pour voilà, pour mettre tout en place, mais il est aidé, voilà, justement, contrairement à certains Nolan qui lui fait tout seul et c'est complètement le bordel et on n'y comprend rien. Voilà, donc pour moi, bah écoute, je pense que il y a peu de choses à reprocher à Cameron. Voilà, ses scénarios sont fluides, c'est bien bossé, ses personnages sont tous bien développés, il arrive à réintroduire régulièrement toutes les thématiques qu'on lui connaît. Donc voilà, donc Avatar, bah écoute, c'est un
C'est un excellent film, voilà, c'est un très bon film. Donc, bah écoute, maintenant je te propose qu'on passe à nos top 5 respectifs de James Cameron. Voilà, donc tu commences. Alors moi, mon top 5 de la carrière de James Cameron, alors, en premier, je mettrais Terminator 1, parce que voilà, j'étais jeune à l'époque, j'avais loué en cassette et c'était tuerie, voilà. Schwarzenegger dans le rôle du Terminator était tout bonnement impressionnant. Et pourtant, petite anecdote, peut-être qu'on n'a pas dit à propos de Terminator 1, Schwarzenegger n'était pas le premier choix n'était pas son premier choix. Il avait pensé à Lance Erickson, donc un acteur bien connu de sa filmo, pour jouer le Terminator, parce qu'au début, Cameron voulait que le Terminator soit un homme normal, voilà, qu'il ait une enveloppe d'un mec normal, pour qu'il puisse s'infiltrer plus facilement, pour pouvoir tuer Sarah Connor plus facilement. Donc le Schwarzenegger n'était pas son premier choix, mais c'était Lance Erickson, et je pense que Cameron a découvert Schwarzenegger dans le tout premier Conan, et là il s'est dit, bon, ça y est, voilà, j'ai trouvé mon Terminator, ça sera Schwarzenegger. Donc voilà, je mets Terminator en première position. En deuxième position, je mets Aliens, parce que c'est pareil, Aliens. Ce que je trouve admirable de Cameron, c'est qu'il a emmené Aliens dans une contrée bien plus grande. Voilà, il a posé la première pierre qui allait devenir la saga Alien, la grande saga Alien. Donc je mets Aliens 2, Aliens en deuxième position. Troisième position, je mets Terminator 2. Voilà. Bon, j'adore Terminator 2, mais il fallait bien mettre une troisième position. En quatrième, je mets Abyss. Et en cinquième, je mets Titanic. Voilà. Et toi? Eh ben écoute, alors, on a un top différent, oui et non, parce que alors moi je vais commencer par la cinquième position. Voilà, toi t'as fait du 5, de 1 à la 5, moi je vais faire de la 5 à la 1. Alors, en cinquième position, je pense que je vais mettre Abyss. Voilà, parce que film incroyable, mais la première heure, bon j'ai vraiment eu du mal à entendre le film, mais la deuxième heure est incroyable. Voilà, prouesse technique. Il n'y a pas de souci, personnage développé, il n'y a pas de souci, relation amoureuse, il n'y a pas de souci, voilà, thématique récurrente de Cameron, voilà, on retrouve tout, voilà, c'est un grand film de Cameron, mais la première m'a posé problème, et c'est un petit peu pour, c'est vraiment pour ça que j'ai bloqué. Donc en cinquième position, Abyss. En quatrième position, je pense que je mettrais Alien 2, voilà, parce qu'encore une fois, une mastodonte chez Cameron, mais bon, Sigourney Weaver m'a, voilà, quoi, elle dégomme tout, voilà, le personnage de Newt, pareil, très sympathique, méchant un peu caricaturaux, mais bon, ça va. La reine alien hyper classe, hyper flippante, c'est voilà, c'est elle dégomme tout. Voilà, climax extraordinaire, film d'action de guerre pur jus dans l'espace, donc c'est incroyable. En troisième position, je vais mettre Terminator 3, Terminator 1, pardon, parce que bon, Terminator j'aime bien, mais je préfère le deuxième, et donc c'est pour ça que Terminator 2 sera en première position, en deuxième position, où là j'ai un peu de mal. En première position, je vais mettre Titanic et True Lies. Voilà, à égalité les deux, parce que voilà, Titanic, un film, voilà, je le revois toujours avec grand plaisir. Voilà, un film accessible, une mastodonte, effets spéciaux, reconstitution, film catastrophe incroyable. Et donc, je vous conseille toujours et encore, voilà, je remets ça sur le tapis, donc le documentaire fantôme du Titanic. Et je mets en première position aussi True Lies, parce que ce sont deux films de façon qui se sont suivis. Hein. Titanic, c'était le film suivant True Lies. Mais voilà, je répète, en première position, donc, True Lies et Titanic, en deuxième position Terminator 2, en troisième position Terminator 1, en quatrième position Abyss, et en cinquième position non, en pardon, en quatrième position Alien 2, et en cinquième position Abyss. Voilà. Voilà, bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, hein. Donc bah écoutez, une vidéo longue, donc je pense que vous allez la regarder en plusieurs fois, donc mais vous inquiétez pas, je vais essayer de rendre le montage tout ça très fluide. Merci Angela donc d'avoir bien accepté mon invitation pour cette rétro James Cameron que j'ai pris beaucoup plaisir à faire avec toi, c'était un grand plaisir. Merci à toi surtout. Bah écoute, on remettra ça peut-être un autre jour avec un autre réalisateur. Voilà, j'ai plein d'idées de réalisateurs sur lesquels travailler, hein, notamment Alan Parker, voilà. Donc, et oui, j'ai plein d'idées. Donc, il n'est pas dit que vous nous, enfin, moi, c'est sûr que je reviendrai en vidéo. De toute façon, je sais pas encore sur quel sujet, mais on verra bien. Mais voilà, peut-être qu'Angela, tu reviendras sur ma chaîne pour d'autres rétrospectives, d'autres réalisateurs. Voilà, on verra bien ce qu'il est possible de faire. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rétrospective en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à mon ami Angela. Voilà, il a besoin de faire monter sa chaîne et pourtant, c'est vraiment dommage. Parce que 75 abonnés sur YouTube, c'est rien du tout. Voilà, surtout qu'on est tellement
nombreux. Donc allez vous abonner à sa chaîne, voilà, il vous répondra toujours avec grand plaisir. Likez, pas, likez et ne délikez pas surtout ces vidéos, parce que bon, si on peut vous mettre des pouces bleus, on va pas s'en sortir. Donc voilà, allez vous abonner à Angelard, voilà, il a une super chaîne, voilà, Angelard, donc en hommage au film de Alan Parker justement, encore une fois, esprit de connexion, vous voyez. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.